deux meetings en plein air ont ponctué la campagne électorale de Denis Sassou Nguesso dans la première circonscription électorale de Luanzili lundi, sous la supervision d'Anatole Kouliné Makossou, porte-parole et directeur national de campagne de la majorité présidentielle. Le premier s'est tenu au CQ401 où Anatole Kouliné Makossou n'a pas ménagé son langage pour convaincre les mandants sur l'intérêt de porter leur choix sur Denis Sassou Nguesso en allant voter massivement. Le second meeting a eu lieu au CQ404 Tinyambi 1 où Anatole Kouliné Makossou et sa suite se sont rendus à pied accompagnés par les militants. Ici également, le même appel a été réitéré à l'endroit des mandants, celui d'aller exprimer leur choix le 21 mars, leur rappelant les réalisations entreprises sous la mandature de Denis Sassou Nguesso ayant redoré le blason du quartier culotte. Faisant la synthèse de l'activité, Anatole Kouliné Makossou explique les raisons pour lesquelles le suffrage des populations de Tinyambi 1 est sollicité. Les populations que vous voyez, habitants de Luanzili, sont simplement heureuses de constater que le président Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession, a choisi un des leurs comme porte-parole. Ce n'est pas un fait anodin. Pour qu'un quartier produise le porte-parole principal du candidat, ça veut dire que ce quartier est honoré. On est plusieurs députés, on est plusieurs collaborateurs autour du président. Si votre quartier a été honoré, vous avez l'obligation d'honorer la personne en votant massivement pour le candidat. La deuxième raison, c'est le lycée interdépartemental qui est construit dans ce quartier. On peut regarder qu'il va être l'un des plus beaux lycées de Pointe-Noire. J'ai même envie de dire l'un des plus beaux lycées du Congo. Et c'est dans ce quartier. Et qui l'a fait, c'est Denis Sassou Nguesso. La troisième raison, la restructuration des quartiers précaires. Et Tinyambi, qui pendant longtemps a été appelé quartier culotte, a été choisi. Et ce quartier, c'est dans notre circonscription. L'électrification des zones qui n'étaient pas éclairées. À l'époque, les populations s'étaient organisées pour se procurer les poteaux électriques par eux-mêmes. Ils avaient simplement souhaité que l'État puisse transporter l'électricité dans leur quartier. Et le président a écouté cet appel, cette sollicitation des populations à électrifier ces quartiers. Il y a autant de raisons, mais nous nous limitons à celles-là qui ont conduit les populations à choisir Denis Sassou Nguesso comme leur champion à l'élection, au scrutin du 21 mars 2021. Thank you.